La reconnaissance de ces animaux, c'est difficile à cerner, c'est difficile à expliquer, on ne peut pas le prouver. On est obligé d'interpréter les attitudes. Mais la matriarche, elle aussi, fait preuve d'un comportement qui est un petit peu unique et tout concorde à faire dire, à laisser penser que, il y a quand même une forme de reconnaissance et que ces animaux nous reconnaissent. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, on ne peut pas le prouver, mais quand même, on a retrouvé aussi la matriarche lors de la dernière campagne. Et ça a été, elle par contre, je l'ai reconnue tout de suite, même hors de l'eau. Et ça a été une rencontre incroyable, incroyable. C'est une scène unique où elle m'a laissé s'approcher d'elle, elle m'a laissé venir l'observer à très près. Je l'ai retrouvée en train de donner à manger, à nourrir deux juvéniles de son groupe avec une carcasse d'oiseaux, ce qu'on n'avait jamais observé avant. Et pendant de longues secondes, j'étais face à elle comme ça, et puis je l'ai vue avec beaucoup de grâce partager sa nourriture avec deux juvéniles qui sont venus chacun d'un côté, qui chacun prenait un petit morceau avec une grande douceur, une grande harmonie, aucune brutalité. C'est un petit peu ça aussi qui est notable et qui est remarquable chez ces animaux quand on les rencontre, c'est cette espèce de parfaite organisation, cette harmonie qu'ils ont dans les déplacements, cette fluidité. C'est peut-être ça aussi qui transmet l'envie de les contacter, qui fait que, au lieu de les craindre, parce qu'ils sont massifs, ce sont des prédateurs qui sont dangereux pour les autres espèces. Inexplicablement, avec les plongeurs, il n'y a aucune forme d'agressivité, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de grâce sous l'eau. C'est notable avec ces animaux, notamment avec cette matriarche. Well, when it comes to orcas, they live in a very special social unit. You have the mother and all her children. Boys and girls stay with the mother all their life. So the offspring of one female stays together. We call this matrifocal group. One matri, one mother, and all the focal offspring. And that's a very close and very tight social unit. We know that orca females can get older than 100 years, so it's a long lifetime, and they're always together. And we know from other studies that these groups, these units, have their own dialect, and they're not born with it. That's very interesting. They learn it from their mother and from the others in that family group, and we call it a culture. And that was the first thing they found, that there is a dialect, it's learned, they're capable of vocal learning, not only that, but also mimicry.
They can you play them a sound and they are capable of imitating that sound. All of that is a prerequisite for language in human beings. So that's why knowing they have cultures, knowing they have a they have their own kind of language, makes them person-like. If we use human beings as persons, we all have our personalities, we learn, we develop our own traits. It's the same in these animals. Most complex social mammals have these traits. In these social animals, it's very clear that they are like person-like, each of them. I've been living here for 16 years and I've always been against whaling because I think it's completely unnecessary and it's very cruel. A lot of pregnant females are caught and they just throw the embryo overboard and it counts as one. It's very bloody and harmful. I don't buy the tradition part at all. I think a lot of traditions are there to let go, and I wish this tradition would be in a history book and not done here by some spoiled rich kids. Thank you.
Anyways, I have been fighting this, and the fight was really hard. I meet a lot of resistance. They're very aggressive towards me. My boat was sabotaged 3 times. It's extremely aggressive. So they don't want to let go, and it's more about pride and that they want to do whatever they like to do, and no one should tell them otherwise. And I'm a German, a foreigner, a woman, so it's extremely difficult to talk to the people about whaling.